Bonjour Monsieur Sarkozy. Bon, en France, on n'a jamais de place pour rouler. Il y a toujours des accidents pour les vélos. Monsieur Sarkozy, je voulais vous demander, faisez-nous des trucs de piétons pour nous qu'on roule dessus, pour pas qu'on se fait écrabouiller. Ça, pour nous, on n'en a pas assez. Puis écoutez, Monsieur le Président, deuxièmement, pour les personnes handicapées. Pareil, vous ne pensez pas aux personnes handicapées. Vous ne pensez pas aux maisons de retraite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Monsieur le Président? Déjà, le plus, c'est pour les handicapés, ceux qui sont sur des feuilles roulantes. Comment voulez-vous qu'il va à la banque? Déjà, ça, c'est pas possible. Pour faire les courses, c'est pas possible, parce qu'il y a des pontes, il y a des escaliers. Côté Monsieur le Président, il faut essayer de faire une ménager pour les handicapés, faire des petites montées, ou des petites descentes, si comme vous voulez. Ou s'il y a quelqu'un qui a besoin d'eux, il faut qu'il essaie de nous aussi de demander pour qu'on l'aide. Mais Monsieur le Président, de toute façon, c'est vous le boulot. Déjà, vous voulez rien faire. Comment voulez qu'on fait quelque chose? Nous, déjà, pour les trucs handicapés, de toute façon, vous avancez pas. La somme est toujours la même. Que avec Monsieur Chirac, ça a changé beaucoup de trucs. Il nous a fait vouloir plein de choses. Hein? Sans lui, on aurait été toujours pareil. L'APL, toujours la même. L'âge, c'est toujours la même. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est déjà un peu dur pour ceux qui ne travaillent pas. Les pauvres en chômage, vous les aidez pas, les ceux qui sont au chômage. Alors, Monsieur le Président, je voudrais que ça change, Monsieur le Président. En 2010, si ça change pas, écoutez, en plus, c'est bientôt pour les votes. Il faut bientôt pour voter pour vous. En fait, pour tout le monde. Mais tu sais qu'est-ce que je crois que je leur dis à tout le monde? Prenez des feuilles blanches. Votez avec des feuilles blanches. Ça ne sert à rien de le voter. De toute façon, il fait rien pour nous. Pourquoi vous voulez voter pour lui? C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire, Monsieur le Président? Comme ça, peut-être vous bougerez. En plus, vous disiez aux écoles, aussi, il faut y aller voter. Je sais pas. Tu crois que c'est une bonne chose d'aller voter pour les écoles? Je ne crois pas non plus. Pour les magasins, c'est pareil. Là, j'ai entendu qu'il va y avoir encore une taxe pour les pubs. Je sais pas pourquoi une taxe pour les pubs. Vous nous taxez bien assez. Vous avez plein de sous où que vous êtes, mais vous n'êtes pas capable déjà de vous avancer. Si vous aidez les pauvres malheureux, là, comme il y a eu la tempête, vous avez eu les tremblements de terre, les trucs, ça c'est les plus gros importants. Vous aidez personne. Puis hier, j'avais entendu aussi, il y avait deux gens de photographes qui étaient là-bas, il y en a deux qui s'étaient enlevés. Vous faisiez quoi, Monsieur le Président? Ah, rien. Pourquoi compter sur vous? C'est honteux. J'en reviens pas de vous, Monsieur le Président. Ah là là. Avec des engins comme ça, on ne changera jamais des engins comme ça. Ben allez, à plus, Monsieur le Président.